Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, le gouvernement, le Premier ministre a bien reçu le courrier, Monsieur le député, qu'avec Madame la députée Laclay, vous lui avez adressé, et ce sont des sujets que vous suivez d'ailleurs au long cours. Alors vous avez raison de souligner le manque d'emménagement qui a ralenti fortement l'activité touristique, avec aussi, c'est vrai, des situations très hétérogènes d'un massif à l'autre et parfois même de manière assez proche des situations très différentes. Nous n'avons pas encore toutes les données chiffrées, mais il semblerait d'après les retours que nous avons des professionnels qu'en dehors des domaines skiables, les autres acteurs euh, en station ont a priori pu faire un début de saison acceptable car il n'y a pas eu d'annulation massive et ce grâce notamment aux efforts de diversification qui sont euh, menés euh, dans les stations pour proposer aussi d'autres types euh, d'activités. Donc c'est un point très important à souligner. Le retard pris néanmoins ne sont pas Rattrapable, mais le retour de la neige depuis le début du mois de janvier pourrait contribuer, nous l'espérons, euh, à sauver la saison d'hiver sous réserve bien sûr de la météo euh, dans les semaines qui viennent. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur le calendrier scolaire. Vous le savez, avec la mise de l'éducation nationale et bien sûr Laurent Fabius, pour que ce calendrier soit le plus possible en adéquation, euh, bien sûr avec l'intérêt euh, des enfants, mais aussi avec euh, la réalité de euh, la météo et euh, que idéalement, quand on va à la montagne en vacances, il puisse y avoir de la neige. Donc ça, c'est très important. C'est une décision qui a été attendue par les professionnels depuis des années et que ce gouvernement euh, a prise. Sur votre demande, je ne peux pas donc donner de réponse absolument immédiate, mais nous sommes tous à votre disposition pour faire le point tout au long de la saison sur l'évolution des choses. Nous étudions toutes les demandes qui nous sont adressées en matière de délai de paiement, de recouvrement de taxes et de cotisations pour les professionnels. Sur l'impact des attentats, comme cela a été dit, un plan de communication a été élaboré par Atout France et il s'appliquera aussi bien sûr à la montagne et il est ciblé pays par pays, marché par marché pour indiquer la réalité des situations. Enfin, le dispositif de l'activité partielle peut être une solution pour les établissements qui y sont éligibles. Les entreprises peuvent bénéficier d'un certain nombre de droits lorsque des situations appréciées au cas par cas sont remplies. L'emploi. Et l'impact emploi de la situation de l'enneigement en montagne mobilise le gouvernement, et c'est pourquoi, avec les services de la ministre du travail et les services du ministère du Tourisme, nous proposerons, dans les semaines à venir, aux collectivités concernées par une baisse d'activité de leur remontée mécanique en régie non dotée de la personnalité morale, de travailler sur un certain nombre de solutions alternatives très concrètes, appuyées à la diversification, appuyées au changement de statut des régies. Appui de pôle emploi aux saisonniers impactés pour retrouver rapidement un emploi. Approche prospective de l'activité des emplois et des compétences pour mieux aussi anticiper ce problème dans les années à venir. Et donc le gouvernement pense ainsi répondre aussi aux préoccupations de votre courrier et de votre intervention ce soir. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Gauche, Démocrate et Républicain.